Alors Gabriel, c'est un roman choral qui met en scène le destin de six personnages qui sont en quête de parentalité. Ils cherchent à construire une famille. C'est un texte qui s'articule autour d'une narratrice qui s'appelle Gabriel. Gabriel est l'héroïne de mon premier roman. Après l'amour, l'héroïne a vieilli, elle a changé, elle a évolué et elle veut devenir mère. Gabriel, c'est donc un tableau, forme un tableau poétique après l'amour, même si les deux textes peuvent se lire de façon indépendante. Dans ce roman, il y a deux couples. Le premier couple est constitué de Gabriel et Hortense. Elles ont 20 ans d'écart, elles vivent une passion amoureuse, une passion très, très, très forte. Hortense est mère d'une enfant de 10 ans. Elle n'a pas du tout le projet d'avoir un enfant, si bien que Gabriel va se tourner vers son meilleur ami, François, qui forme le deuxième couple du roman. Donc on a François et Malik, qui sont aussi traversés par ce projet de parentalité. L'idée de ce roman, c'est de faire famille en dehors du couple, en dehors des liens institutionnels. Donc autour de François, Gabriel, Malik et Hortense, on a deux amis, Laure et Britney. Britney avait aussi un enfant de son côté, elle est hétérosexuelle, elle est célibataire et elle sépare sa vie de femme de sa vie de mère. Ils sont tous, ces personnages sont rencontrés au lycée, ce sont des amis de longue date. Donc ce roman fait écho au débat sur le mariage pour tous. J'ai commencé l'écriture de ce roman avant ces débats houleux, haineux, et j'ai voulu moi revenir sur ce moment crucial et traiter ces questions du point de vue de la fiction. Je suis partie de deux phrases lorsque j'ai commencé la rédaction de Gabriel. La première phrase, c'est une citation du sociologue français Éric Fassin qui dit la chose suivante, il dit « La famille n'est pas une institution naturelle ». Et la deuxième citation, c'est une pancarte qu'on a pu lire ici et là lors des manifestations anti-mariage. « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants ». Alors ce roman, moi j'ai voulu l'écrire contre ces phrases-là. J'ai voulu faire mentir ces gens et reconfigurer de nouvelles formes de parenté. Avec Gabriel, on assiste à l'éclosion d'un projet et à la naissance de la parentalité.